Che linguaggio metaforico, chissà mai cosa significa, è scozzese oppure arabico, non capisco in verità. Su, ma sali, cosa fate? Perché state fermino? Via signori, la portate pari vino e baccalà. Luna, le, non, li, non, la, lì, non, luna, la. Oh, che lingua graziosa! Oh, che salto inaspettato! Se riesce la frittata, oh, che ridere si farà! Oh, che ridere si farà! Karine Dehaye, Marc Moyon, Nora Goubiche, Patricia Petitbon, Gaëlle Arquez, Julie Fuchs, Sabine Devielle, impossible de tous les citer. Depuis quelques années, ces voix magnifiques sont sur toutes les scènes, en France et à l'étranger. Leur point commun, elles ont été formées au Conservatoire de Paris. J'ai voulu savoir qui se cachait derrière ces voix, derrière ces chanteuses et ces chanteurs, comment naît une voix, comment entre-t-on au Conservatoire de Paris et pourquoi, comment se déroule l'enseignement au sein du département des disciplines vocales, qui sont les enseignants qui accompagnent ces jeunes talents, qui sont les faiseurs de voix. Je pousse la porte du conservatoire. Suivez-moi. Mes premiers souvenirs en tant qu'étudiante ici, c'est beaucoup d'excitation et puis aussi un peu un sentiment de se dire « bon bah ok, maintenant je peux plus vraiment faire semblant, il va falloir se mettre au travail ». Et en fait c'est ça pour moi le CNSM, c'est un endroit où tout est permis, où on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, on a 4 ans pour apprendre le métier, mais surtout apprendre à se tromper. J'aimerais encore y rester toute ma vie parce que... Je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre ici, j'ai appris tellement de choses. Les possibilités sont vraiment infinies, les options sont énormes, j'en ai fait beaucoup, mais je n'ai pas pu toutes les faire, donc j'aimerais continuer encore d'apprendre. L'enseignement du chant porte toujours, je crois aujourd'hui, l'empreinte du mythe du chant et du mystère. Et on savait très bien chanter avant que les phoniatres arrivent. Et la science est un plus. On n'est pas les détenteurs d'un savoir. On est juste des transmetteurs. On permet. On se régale. C'est-à-dire qu'eux se régalent, moi aussi. Donc c'est tout le temps un bonheur. Et un bonheur différent selon les élèves. Ce n'est pas un enseignement différent, mais c'est s'adapter. Et je crois que c'est ça qui m'a passionnée pendant 34 ans. C'était autant de personnalités différentes et qui avaient besoin de... différents enseignements. Dans le domaine du chant professionnel, on devient des sortes de facteurs de voix, des voice teachers, comme disent les anglo-saxons, professeurs de voix dans le sens qu'on construit l'instrument, on finit de construire l'instrument. On aide l'étudiant à mieux connaître son corps, le fonctionnement de sa voix, jusqu'où peut aller la coordination du corps dans le geste vocal. Et on finit de fabriquer l'instrument, ce qui n'est pas le cas en général des instrumentistes. On peut être admis en premier cycle ou directement en deuxième cycle, puisque c'est une possibilité pour les étudiants qui auraient fait un premier cycle en France ou à l'étranger de passer un concours d'entrée directement en deuxième cycle. Pendant ce premier cycle, on va s'attacher à faire acquérir à l'étudiant les fondamentaux. Bien sûr, il va falloir qu'il apprenne le chant et qu'il construise son instrument, mais également qu'il apprenne les langues vivantes. Il va également se confronter à des professeurs de diction française et de prononciation française. Il va bien sûr faire de l'art dramatique, un travail de respiration, un travail de formation musicale, d'analyse. Le deuxième cycle permet aux étudiants de se confronter plus quotidiennement, je dirais, avec la scène. Et c'est l'occasion donc pour les étudiants de faire des récitals de mélodies et de leaders, de faire des travaux d'ateliers lyriques avec orchestre, décor, costumes. En général, nous invitons des metteurs en scène et des chefs d'orchestre de l'extérieur pour justement les séparer un tout petit peu du corps enseignant. Et donc c'est une année beaucoup plus pratique. Si on compare cette école avec les écoles européennes, en général, elles accueillent beaucoup plus d'étudiants. Mais c'est une école très luxueuse, je dirais, parce que face à ces 48 plus 24 étudiants, on peut compter une soixantaine de professeurs. Ce film s'appuie également sur des documents puisés dans les archives audiovisuelles du conservatoire.
il a pour ambition de permettre au public le plus large de pénétrer dans l'atelier des faiseurs de voix. Commençons par un cours de chant. Nous partons dans le grave, ou en voix de tête, I en voix mixte, O en voix de poitrine, et on espère qu'un jour, les deux opposés sont tellement imbriqués les uns dans les autres que ça donne ce fameux mix. Durant tout le XXe siècle, en fait, le bel canto a un peu changé de répertoire. On s'est mis à appeler bel canto la grande période Bellini, Donizetti et les premiers Verdi. Et en fait, si on était puriste, on pourrait dire que le bel canto s'arrête à Rossini, c'est-à-dire c'est le grand XVIIIe siècle italien et puis le premier tiers du XIXe siècle. C'est toute une école qui a perduré de la fin du XVIIe siècle jusqu'aux années 1830. Moi, je crois qu'il faut dire bel canto au sens large, et peut-être le roi baroque du bel canto, c'est Handel. Le passage entre 18e et 19e, c'est Rossini. Et puis, en tirant, on va jusqu'à Bellini et Donizetti. Ah, ça c'est excellent. Pour la version concert, peut-être que sur la scène, oui, il faudra un peu trop plus. Soft. Oui, c'est ça. Cet enseignement belcantiste, peut-être aussi mon enthousiasme a suscité chez les élèves aussi un enthousiasme en voyant que ça pouvait aider à développer les mécanismes que tous les professeurs de chant développent. Hein. Mais il y avait des exercices un peu plus précis ou différents. Ce mélange, par exemple, entre une voix plus profonde et une voix mixte, ça engage à chanter du Handel, peut-être plus légèrement, plus... et surtout du Rossini, de se dire « Ah, ça c'est exactement le père Garcia, était lui qui a créé le Barbier de Séville, enfin, était un grand rossinien. » Et donc, le fait de pratiquer ces exercices, sans doute nous rapproche de la musique elle-même. Au début du XIXe siècle, cette réforme que le premier conservatoire a voulu opérer en ce qui concerne le chant, eh bien, était d'italianiser le chant français. Et donc, on a demandé à des professeurs italiens d'enseigner dans le conservatoire. Ils ont écrit des méthodes, et c'est par ce biais-là, de ces premières méthodes de chant du conservatoire de Paris, que nous avons un corpus d'exercices absolument formidable qui s'enracine dans le XVIIIe siècle italien. Les exercices que je fais pratiquer à mes élèves, certains bien sûr, sont vraiment issus de cette école belcantiste et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup motivé, et les élèves aussi, je crois, de se dire « Tiens, on s'enracine dans la tradition ». Bien sûr, la science a évolué, on comprend beaucoup mieux mécaniquement comment la voix marche, mais les exercices, nous en possédons des formidables de l'ancienne école. Pourrais-je te demander, pareil, que pour le si bémol, que luth, oui. Le contrutz, puisqu'il est là dans ta mécanique, oui. Donc il n'y a pas besoin de se dire « je le renforce ». Non, non, Adolphe Nourry ne le faisait pas, je crois. D'accord. C'est ça que les rossiniens aimaient, c'est cette dentelle, d'accord. Même rendue à des hauteurs pareilles. Okay. Et je crois que tu peux, puisqu'il est là mécaniquement. Faut seulement, c'est une longue pratique de flexibilité et de dentelle. De dentelle. Je viens voir pour la dernière. Quand on pense que Manuel Garcia a enseigné dans notre maison, mais je ne le savais même pas. J'ai lu comme tout le monde ou parcouru il y a bien longtemps le traité de Garcia, mais j'ignorais qu'il était à nous tous professeur de chant, un de nos prédécesseurs. Il a enseigné de 1835 à 1848. C'est incroyable. Donc, en plein moment où il écrivait son traité, il était professeur ici. J'ai eu accès à un répertoire parfois
de façon un peu prématurée. Par exemple, on doit, je pense, travailler du bel canto quand on est au conservatoire, même si on a une voix comme la mienne, très frêle et qu'on n'a qu'une vingtaine d'années. Je pense que c'est le moment pour s'essayer à ce style. Alors bien sûr, je ne serais jamais allée vers du grand lyrique ou du répertoire wagnérien, mais travailler sur le soutien, avoir le droit de se tromper et de comprendre les exigences de ce style de musique sans jamais l'essayer avec un orchestre, c'est le moment en fait. Le conservatoire, c'est 4 années d'études, c'est le moment où on peut essayer et où on peut aussi découvrir un répertoire qui nous accompagnera. Vous êtes professeur de chant, vous êtes professeur de musique, vous êtes professeur de voix, tout cela à la fois. Oui. Et puis coach aussi, alors le mot n'est pas français. Le chant, je crois qu'il n'y a pas plus intime. Et il faut savoir faire avec son état émotionnel, avec sa vie, et trouver une discipline là-dedans pour monter sur scène, quelles que soient les conditions. Oui, mais là, ta première ondulation n'est pas assez haute. Okay. On entend qu'elle roule sur la langue. D'accord. Okay. D'accord. Or, c'est ça le bruit de la première ondulation exactement. Refais. Ouais. Regarde, c'est beaucoup plus léger que ça. C'est à peine, c'est le frottement de l'air entre le dos de la langue et le voile du palais. Mais on appelle première ondulation parce que c'est la première partie de l'air qui entre en cavité. Ouais. C'est extrêmement doux. Voilà, voilà. Tu pourrais faire passer une feuille de papier à cigarette là. Ouais. C'est très fin et en même temps. C'est super connecté, oui. Voilà. Tu sens l'engagement physique que ça demande et ça construit immédiatement ta colonne d'air. Oui. OK. Du bas en haut. Oui. Si tu as un frottement trop épais, tu as déjà un débit d'air qui est trop grand. À partir de là, tu installes le voisement. Oui. Et reste en voisement. Reste en voisement. Là, la quinte. Et arrête le son et garde le voisement. Voilà. J'ai travaillé en France avec un phoniatre qui s'appelle Benoît Ami de la Bretèque et qui a été aussi pour moi un socle extrêmement important d'apprentissage des procédés de rééducation, puisqu'au départ c'était c'est sa fonction, et après il s'est penché sur les questions d'éducation de la voix, puisque finalement, au lieu de rééduquer, si on éduquait. Une voix évolue sur la réalité du métier, donc la production. C'est essentiel. Monter sur scène aujourd'hui aussi dans un paysage très difficile, de concurrence rude. On est à l'ère des chanteurs Kleenex. Il y a beaucoup, beaucoup de très bons chanteurs. Qu'est-ce qui fait qu'un chanteur reste ? Ben d'abord la santé de sa voix, ses profondes convictions, son engagement artistique. Tu sens que ça commence à tourner sur l'axe. Complètement. On a besoin d'être un référent dans une équipe. Un chanteur aujourd'hui a besoin d'être solidement entouré. La thématique ? C'est toujours ségrégation, lynchage, Amérique. Ich möchte
wieder einfach sein will. Okay. Est-ce que tu veux me choisir dans cette phrase une syllabe de direction? Parce que là, déjà, tu m'en fais deux, au moins. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc juste dans « ich möchte wieder einfach sein ». Voilà. Allez, tu veux « wieder », tu veux « einfach sein », tu veux « wie Erde », je sais pas. Ça, tu veux quoi, en fait? En fait, Edwin. Einfach sein. Ok. Donc, prends ta liberté dans « ich möchte wieder einfach sein ». Je te sens pas prêt suffisamment tôt. Okay. J'ai senti que tu attends Charlotte. Enfin, j'exagère un peu, mais... ma connexion, elle est prête tellement avant. Oui. Je veux te dire. Oui. C'est la pensée qui va déterminer ce que va faire mon corps. C'est pas maintenant. Et tu, pour moi, tu es dans un rapport d'instant. De lever. Or, la levée, elle est immense. En fait, c'est ce que tu as suggéré, Charlotte, tu vois. Et donc, ma respiration, elle va donner. Ouais, ouais. Tu vois, cette qualité d'entrée. Mmh. Ok. On fait ça? D'accord, pas mal. Il faut que ça soit plus fluide encore dans... Tu sais, on peut être en état suspensif, l'air peut rentrer ou sortir et... C'est maintenant. Ouais, d'accord. D'accord. Tout à l'heure, tu étais dans presque une apnée pour déterminer ton départ de... Je respire. Ouais, ouais. Okay. Là, ça s'est dilaté dans le temps. Et après, hélas, tu as suivi la hauteur de note. Ouais, ouais. Tu l'as senti? Ouais. C'est-à-dire que quand tu es redescendu, pourtant c'est rien, hein, mais ce vide, ce fa, tu fais ce mouvement-là, tu as senti, qui lâche la parole. Ouais. Oublie ça, ça y est, c'est digéré. Le temps qui nous est imparti va être utilisé à trouver sa voix. Puis on la cherche toute la vie. Ça dépend comment on écrit voix. Le conservatoire est tellement riche, je pense que c'est le plus bel endroit qui soit en France pour colliger de nombreux enseignements et que s'ils ont besoin de répondre également à des propositions multiples parce qu'on leur demande de tout faire sur un plateau, bah, c'est à eux de le faire aussi. Pour être chanteur, il faut un mental d'acier. Il faut un physique très, très, très entraîné. Il faut pouvoir faire le vide à l'intérieur de soi et travailler, 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 travailler. Leur corps va changer et ils vont devoir, pour certains professeurs même, certains professeurs n'hésitent pas à dire « je construis un chanteur muscle après muscle ». Que ta concentration et la recherche d'intériorité du geste ne te fassent pas baisser le regard et t'enfermer en toi-même. Reste vraiment toujours complètement ouvert. Il s'agit vraiment d'entraînement sportif et je demande à mes étudiants, quand ils commencent leurs études, s'ils ont aussi le goût de cet entraînement sportif et pas seulement de faire de la musique, car c'est vraiment un des aspects les plus importants. Il faut que l'instrument soit à chaque instant parfaitement fiable. Et de plus en plus, de nos jours, en fait, on demande vraiment à ce que les instruments répondent parfaitement à toute heure, à tout instant et dans tous les continents. Ils arrivent ici en ayant déjà une très forte envie de chanter. Ils sont vraiment appelés par le chant dans le sens artistique du terme. Ensuite, il faut qu'ils finissent de faire connaissance avec leur corps, car les paramètres qui vont se coordonner entre eux pour que le geste soit parfaitement, non seulement juste, mais puisse aussi se renouveler, vont extrêmement loin. Ils touchent à l'intime de la personne et demandent un degré de coordination qui dépasse un petit peu l'entendement commun, quand on pense simplement au fait de chanter. Aïe, 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 aïe. Il y a eu ce
ce petit moment de « Ah, ouh, le regard est tombé hein ». Ça se sent dans le geste, en fait, dans l'expression du geste, du langage corporel. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière ou est-ce que vous répondez vraiment au cas par cas avec, avec chaque étudiant? Alors, effectivement, on répond au cas par cas, mais il y a des bases, disons, qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment de la première inspiration, on va essayer d'accéder à un degré d'alignement, j'appelle ça comme ça, qui va permettre la coordination de plusieurs paramètres entre eux. Et on cherche à ce que cet alignement soit parfait, ce qui est pratiquement impossible. Mais on va vraiment dans cette direction. Vous commencez chaque cours par une sorte d'exercice proprement physique? Alors, c'est souvent le cas, mais je demande à l'étudiant où il en est. Il est aussi intéressant de voir à quel point un étudiant est capable de jauger l'état dans lequel il se trouve quand il arrive en cours. Bravo. Ce qui me plaît énormément, ce qui s'est beaucoup développé maintenant, c'est en termes de langage corporel, c'est les moments, c'est les silences qui restent complètement habités dans une respiration qui reste expressive. Hein. Le moment où le violoniste, lui, va faire un geste et reprendre son archet au talon dans un geste expressif musical. Nous, on est là, les bras ballants, et on ne voit rien. Mais le geste est tout aussi expressif et tout aussi musical à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment en train de se développer énormément. Ça, c'est bravo. Alors maintenant, j'aimerais que toute la vie qu'il peut y avoir dans le mot quand tu t'exprimes en parlant, par exemple, puisse être là aussi quand tu chantes, dans cette sorte de dilatation du temps, tu vois, du fait que les syllabes tout à coup se prolongent énormément. Si on parle allemand, on dira « Ich baue ganz auf deine Stärke, vertraue au Liebe deiner Macht ». Ça ira très très vite. Puis là, on va le dire, tu vois, avec cette même vie. Ich baue ganz auf deine Stärke. Et il faut que ça reste tout aussi palpitant que quand tu le dis normalement. Ça, c'est la part expressive qui revient vraiment aux mots et aux textes. L'expression non verbale, celle de la voix chantée chez toi, elle est très très naturelle, c'est très musical. L'expression du langage corporel, comme je viens de te dire, elle est déjà très développée dans une continuité. Et puis maintenant, l'expression purement verbale dans la langue allemande, en fait, que tu prononces très bien par ailleurs, celle-là, par moment, elle colle un tout petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ich baue ganz. Tu vois qu'on a A, ganz. Ça continue de vouloir dire ganz. À l'époque des très grandes voix, des grands chanteurs, je pense à des Birgit Nilsson ou des Jussi Björling, ces gens-là, quand ils chantaient au Met, s'installaient à New York pour 3 mois ou 6 mois. Et ils mettaient 3 semaines pour traverser l'Atlantique. Maintenant, évidemment, on fait ça tellement rapidement que les chanteurs sont quand même sujets à des fatigues qui sont très difficiles à gérer. Et je pense que les chanteurs actuels doivent vraiment comprendre que une hygiène de vie et une écoute de son propre corps est absolument indispensable à la bonne marche des choses à long terme. Étant donné qu'il y a aussi un petit peu de public aujourd'hui, essaye dans ta démarche de recherche d'expression, parce qu'il y a beaucoup évidemment d'intériorisation, on va rejoindre l'imaginaire, etc., mais inclut vraiment tout l'extérieur, soit dans cette démarche ouverte par rapport à l'extérieur. On peut rester tout aussi intime envers soi-même, tu vois, dans ce qu'on va chercher en soi pour chanter, tout en m'incluant, en restant ouvert pour l'extérieur. Là, t'es un tout petit oui, peu... Oui, c'était un peu fermé. Ouais, un peu fermé. Et ça a un impact sur la voix. Ça a vraiment un impact sur la voix. Bah oui, en termes de brillance. J'allais dans la campagne avec le vent d'orage, sous le bas le matin, sous les nuages bas, un corbeau ténébreux escortait mon voyage, et dans les flaques d'eau retentissait mes pas. Il faut faire prendre conscience à chaque étudiant du genre de voix qu'il a, des voix qui sont peut-être plus grandes, plus dramatiques, qui sont à maturation lente, se révéleront dans leur pleine maturité plus tard.
Et c'est parfois un message qui est difficile à faire passer parce qu'il y en a qui ont des collègues de 19, 20 ans qui sont déjà sur scène et qui chantent, et d'autres qui doivent effectivement patienter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne chanteront pas, mais ils ne chanteront pas encore le répertoire auquel ils aspirent. Mais il faut leur faire passer le message d'avoir cette patience, cette rigueur qui fait que le jour J, ils seront vraiment parfaitement prêts. La dépouille d'or du frêne et de l'érable. Devenir chanteuse ou chanteur, ce n'est pas seulement apprendre à chanter. Au Conservatoire de Paris, on forme des musiciens complets. La lecture à vue, la culture musicale, la diction lyrique en plusieurs langues, l'art dramatique, le travail corporel et la scène, tout concourt à la formation des chanteurs, qui sont avant tout des artistes. C'est avéré que c'était très important dans un conservatoire supérieur qu'il y ait des bases, qu'il y ait des bases musicales. Donc il y a eu un petit examen, pas trop difficile, ce n'était pas un barrage, mais qui se prépare très bien, puisque maintenant, dans les conservatoires, les CRR ou autres, il y a des cours pour les chanteurs. On a appelé sa formation musicale chanteur. Et ça s'est transformé ensuite, c'est nous en tant que professeurs, avec Claude Lavoie notamment, on a transformé ça en classe de formation musicale chanteur et lecture à vue. Donc rythme, écoute, pas de dictée, parce que les dictées, les enfants les font très très bien quand ils sont petits, formés, mais quand ils commencent à 20 ans, on met trois plombes pour écrire deux notes. Donc de la mémorisation de phrases musicales, un travail d'intervalle évidemment, et puis l'analyse dont je parlais, et puis la lecture à vue. Vous voyez, quand on explique l'harmonie, les changements de tonalité, les polytonalités dans des œuvres comme Wolf, on se régale. Ça m'a aidé d'être compositeur, de savoir ce que c'est d'avoir une œuvre chantée par des chanteurs qui n'ont pas l'habitude, parce que mes élèves avaient l'habitude. Les chanteurs extérieurs ne sont pas forcément formés à ça. Donc je me suis dit, il faut que je les fasse travailler de telle manière, de façon à les aider dans une lecture d'une partition qu'ils ne vont pas pouvoir encore entendre, puisqu'elle ne va pas être enregistrée quand c'est une création. Donc c'est un gros travail, c'est chercher qu'est-ce qui va les aider dans la partition d'orchestre, est-ce que c'est tel hautbois, tel le hautbois, parce que très souvent un chanteur arrive à prendre facilement la note avec le piano, n'est pas habitué à la prendre avec un instrument d'orchestre. Donc à la première répétition, ils savent que tiens, ça va être le hautbois, ça va être la contrebasse, qui est des fois plus difficile de prendre des sons dans le grave. Il y a tout un travail comme ça d'organisation par rapport à leur partition. Et un travail assez important de ma part, de moi en tant que déchiffreuse, parce qu'ils arrivent très souvent, il n'y a pas de partition de réduction de piano. Donc je travaille sur la partition d'orchestre, souvent en manuscrit, pour eux, pour moi, et on est là, là-dedans, ben on met les mains dans le cambouis, et j'essaye d'extirper vraiment ce qui va être utile pour eux. Mais pourquoi dites-moi que les cantatrices aiment voyager? Je suis entrant au CNSM, j'étais quasiment vierge de toute connaissance opératique, du répertoire de l'opéra. Je ne connaissais pas du tout. Je savais assez mal lire la musique, juste le strict minimum pour pouvoir passer l'éliminatoire de solfège. D'un point de vue technique vocal, j'étais quand même vraiment, vraiment bébé. J'ai eu la chance de rentrer sur ma musicalité peut-être et ma voix. Et après, voilà, ils m'ont donné cette chance et l'occasion de me développer. Je suis rentrée au CNSM en soprano. Donc ça a été un parcours assez tumultueux, parfois douloureux. Moi, je ne me suis jamais sentie bien dans cette tessiture de soprano qui était parfois douloureuse même. La catégorie vocale ne se décide pas uniquement justement par la tessiture, mais par... beaucoup d'autres choses que sont la zone de confort, les rôles qui nous plaisent aussi d'interpréter,
On a décidé avec mon professeur vraiment de changer de catégorie vocale, de passer de soprano à mezzo. Et il se trouve que cette année se montait au CNSM Mitridate de Mozart, dans lequel il y avait un rôle de contralto, Farnace. Donc ça a été un grand écart de passer de cette tessiture de soprano à cette tessiture de contralto, mais ça a aussi été très très formateur. J'ai été très bien suivie par mes professeurs. Donc c'est quelque chose que je ne ferai plus maintenant parce que je ne suis pas contralto, je suis mezzo-soprano. Mais en tout cas, ça a été très formateur dans mon processus de changement de voix. Pardon, Kishin, juste, on continue à pas avoir le haut loin. Enfin, on n'a pas le haut. Ah ! Je l'entends pas. Ah, c'est le haut, on entend. Ben oui, mais je me disais qu'avec le R, on entendrait le haut en liaison. Et en fait, on n'entend toujours pas le haut. D'embaumer loin. D'embaumer loin. Vous nous faites d'embaumer loin, ouais. Et puis, je sais pas, comment vous dites sur les flots ravis et sereins ? Sous les flots ravis. D'accord. Non, mais on entend flot. 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 Haut. Oh. Voilà. Donc, peut-être... gardez à l'esprit que tous les noms, les substantifs, les noms communs, vous mettez des accents dessus. De toute façon, il y a un accent tonique sur chaque substantif. Mmh. Hein, mais voilà, pensez-y, je les alerte sur les qualités phonétiques du français, sur les subtilités syntaxiques du français, sur la façon dont les vers sont écrits et toutes les règles phonétiques qui président à l'interdiction des hiatus, à l'utilisation des E muets, des H aspirés, à la façon dont on peut faire les liaisons ou pas dans les vers, puisque le répertoire qu'ils interprètent est principalement écrit en vers, quand même, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, on travaille beaucoup sur base de textes poétiques, certains mis en musique, d'autres pas. Et pour qu'ils comprennent vraiment la façon dont on écrit les vers pour la musique, je leur demande assez régulièrement d'écrire des vers eux-mêmes, aussi bien dans des formes poétiques contraintes, comme des sonnets, que sous de la musique préexistante. Donc on fait un travail de parodiste, on réécrit des vers sous la musique, et en respectant toutes les contraintes du patron métrique qu'ils ont grâce au texte d'origine, eux-mêmes apprennent à comprendre comment à l'accent tonique correspond un accent musical, comment à certaines notes correspondent plutôt des E muets ou plutôt des syllabes accentuées. Voilà, donc c'est un travail sur un an qui est principalement à la table, et puis deux fois par trimestre je les fais chanter au piano, et là c'est plutôt, ça me permet plutôt de leur reparler de notions qu'on a évoquées au cours de l'année, et de les aider à se les inscrire dans le corps, parce qu'à la table, ils sont très performants, ils développent de bons réflexes, mais dès que ça passe dans le chant, c'est moins évident, parce qu'ils redeviennent des chanteurs, alors que moi, je leur demande d'être des interprètes. Je t'adore, brigand, j'ai honte à l'avouer, je t'adore et ne puis vivre sans t'adorer, je t'adore, brigand, j'ai honte à l'avouer, je t'adore et ne puis vivre sans t'adorer. La bonne chère, en deux chaises vice-roi,
pardon, alors, ni la bonne chair, ni on dînait. C'est, mais c'est pas de votre faute, c'est composé comme ça. Il va falloir arranger le coup, parce que là, on comprend pas. Je ne hais pas la... La bonne... Comment vous pourriez faire la bonne chair avec, la bonne... de façon gourmande, pour traîner un peu sur les consonnes? La bonne chair, un truc comme ça. Faut pourriez... plus accentuer bonne. Les deux, les deux. La bonne chair. Oui, mais il faut de l'accent sur chair. J'étale un peu mais plus. Oui, oui, c'est ça, étaler. La mia d'ora bella capace non è. Capace non è. Capace non è. Fedele. Fedele quanto bella il cielo la fè. La mia fior di ligi tradirmi non sa. Uguale in lei credo costanza e beltà. Voilà, pour le moment, lisez-le tranquillement. Pour faire juste la traduction, après on va le faire déclamer plus. Okay. Plus. Voilà. On récite d'abord les textes que l'on chante, justement pour essayer de chercher aussi le sentiment de ce que disent les personnages. Une chose qu'ils n'arrivent pas toujours à faire très très bien, c'est trouver l'intonation juste des mots et de la phrase. Dorabella, la mia Dorabella, pas Dorabella, pas deux R. Dorabella, Dorabella et Soler. La mia Dorabella, comment il fait la mia? La mia Dorabella, capace non è. Bravo. Capace non è. Fedele quanto bella il cielo la fè. Fedele quanto bella il cielo la fè. La mia fior di ligi tradirmi non sa, tradirmi non sa. Uguale in lei credo costanza e beltà. Uguale in lei credo costanza e beltà. Il y a des compositeurs qui sont particulièrement sensibles à la prosodie, donc ils mettent en relief les accents dans le bon sens de la musique. Mais il y en a d'autres parfois qui essayent de déplacer même les accents. Par exemple, entre le français et l'italien, c'est la grande difficulté, c'est que le français, il a toujours des contre-accents. En italien, par contre, les accents sont toujours très fixes. O pazzo desire, sul vivo mi tocca. O pazzo desire, sul vivo mi tocca. Chi lascia di bocca sortire un accento che torto le fa. Chi lascia di bocca sortire un accento che torto che corto le fa. Che torto le fa. Che torto le fa. Che torto le fa. Che torto le fa. Va giusto riprendere, quando vuol dire sortire un accento, attenzione, sortire un accento. Beh, le re, il est plus long que le re un. Sortire un accento, on va essayer de le reprendre à partir. Mais du coup, est-ce qu'on fait vraiment deux noirs ou est-ce qu'on fait... Sortire un accento, pas sortire un accento. Plus tard que le temps. Voilà, le ou plus tard encore. Alors, sortire un accento. Pas pour sortire un accento. La langue italienne chantée, c'était une langue qui a permis l'expression de la voix, parce que c'était une langue qui était plutôt libre. Donc vous trouvez par exemple des ténors comme Tito Schipa ou comme Bergonzi qui ont des façons très différentes de prononcer l'italien, mais tous les deux sont tout à fait dans le sens du bel canto. Il y en a un avec des voyelles un petit peu plus ouvertes, c'est Tito Schipa parce qu'il est de l'Est du Sud, et Vidalenzo di Parma avec des voyelles beaucoup plus fermées parce que justement c'était la caractéristique de chaque chanteur. Nous avons pour les futurs chefs de chant une classe de direction de chant qui donc forme ces chefs de chant qui sont des personnes qu'on connaît en général assez mal parce qu'elles ne sont jamais sur scène. Ce sont des très bons pianistes, mais également des gens qui connaissent très bien les langues vivantes, les différents styles et qui préparent dans les théâtres lyriques les chanteurs avant que le chef d'orchestre n'arrive. Donc ils sont responsables de la cohésion de la distribution et également de la connaissance fine, stylistiquement, linguistiquement, de tous les chanteurs. Ce sont des métiers dont on a terriblement besoin. Il peut se passer n'importe quoi, quelqu'un peut louper une entrée. J'imagine parfaitement bien que le claveciniste, justement,
il va oublier de jouer, ou bien il va croire qu'il n'a pas entendu les cordes, il va... Parce que le problème, c'est que ça, c'est toujours un petit peu tard. Ça vient bien dans l'archet, mais c'est pas... Comme ils ne veulent pas faire un accent dessus, du coup, ils vont soulever. C'est pas fait pour être métronomique. Mais vous, vous devez entrer au bon endroit. Alors, maintenant, l'autre chose. Vous avez remplacé la partition par Olivier Reboul. Avant, vous étiez hypnotisé par la partition. Maintenant, vous êtes hypnotisé par Olivier Reboul. C'est ça, très sympathique, ça, je suis très flatté. Vous oubliez. Hein? Oui. Vous habituez, quand vous le chantez, que ce soit avec moi ou avec les assistants, les professeurs de chant, à le faire de mémoire. Ça vous donne de la liberté, tout simplement. Encore une fois, vous avez besoin de liberté. Les chefs de chant sont les pianistes qui font répéter, apprendre leur rôle au chanteur en jouant au piano la partie d'orchestre. Et en, comme c'est du théâtre, en donnant les répliques des autres personnages quand ils ne sont pas des airs où ils sont tout seuls. Et ça englobe également tout ce qui concerne évidemment le style, la justesse, les langues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir faire travailler, a priori, hein, surtout aujourd'hui, maintenant vraiment on fait dans les langues originales depuis déjà pas mal de temps. Donc en français, en allemand, en italien, en anglais, ce qui est très difficile, et un peu quand même dans les langues slaves. En aucun cas, le chef de chant n'est un professeur de chant. On peut signaler des problèmes, mais si on essaie de donner de mauvaises solutions à un vrai problème, c'est très dangereux. Donc autant s'occuper de ce qu'on connaît et de ce qui devrait être vraiment le travail du chef de chant. Mais d'expliquer aux chanteurs qu'on peut tout leur demander. Tout leur demander et surtout ce à quoi personne n'avait pensé. Donc il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Tout ça, il faut le savoir. Il faut penser un peu à ces problèmes-là et au fait aussi que ce qui est écrit ne sera pas du tout, bien sûr, forcément traduit sur scène. Quand vous faites Così fan tutte à l'époque moderne, quand il dit on sort l'épée, ben on ne sort pas d'épée. Voilà, c'est comme ça. On n'a même pas un petit couteau sur la table. C'est allégorique. Vous avez enseigné l'ensemble vocal pendant une dizaine d'années, je crois. Oui, absolument. Quand j'ai fini mes études d'accompagnateur, je suis devenu accompagnateur des classes de chant, assistant aussi des professeurs de chant. Et ensuite, je suis devenu donc professeur de cette classe d'ensemble vocal. C'est une classe très importante, je trouve, pour les chanteurs, puisqu'ici, vous savez que les chanteurs apprennent évidemment à chanter les mélodies, les airs d'opéra, mais il n'y avait pas de classe pour leur apprendre tous les ensembles d'opéra, quand il y a Don Giovanni, un final, un quintet, les sextuors. Et ça, c'était très intéressant pour moi, donc de sentir comment les chanteurs doivent s'écouter, leur apprendre ça, à suivre un chef. L'objet du cours d'ensemble vocaux, qui est une forme de workshop, on pourrait dire, qui est destiné à préparer les élèves, les étudiants, aux conditions d'une production d'opéra, de répétition scénique piano à l'opéra. Ils viennent donc avec leur rôle su et à la rencontre de leur partenaire dans la pièce, dans l'œuvre, musicalement parlant. On est au cœur d'un phénomène assez fascinant, captivant, qui est le phénomène vocal associé au théâtre, captivant autant pour les spectateurs qu'on a l'habitude d'être, mais tout aussi captivant pour les acteurs eux-mêmes, les chanteurs eux-mêmes. Et ça fait partie de notre travail, justement, de les guider sur une voie pleine d'expression, d'efficacité, d'exigence, sans se laisser eux-mêmes prendre au charme fascinant du chant. Le conservatoire s'est doté dès ses statuts de création en fait, de possibles cours d'accompagnement. On ne sait pas exactement en quoi consistaient ces accompagnements, mais en tout cas la notion du pianiste qui est là aussi pour les autres est déjà dans les canons du conservatoire dès sa création, donc après la Révolution française. Donc ces pianistes se présentent à la classe pour acquérir justement une formation de travail avec les chanteurs en duo. Des duos se forment et certains se forment pour longtemps, ce qui est évidemment une très très grande joie quand on a pu contribuer finalement à la rencontre de deux personnes qui travaillent de manière très intime, très, très aiguë quand même, ensemble, avec énormément de sincérité, énormément de courage et d'authenticité. On choisit pour un duo une œuvre par rapport à la tessiture, mais aussi quelque part à la personne même peut-être du chanteur, des choses qui vont lui aller ou des choses qui peut-être vont un tout petit peu contrarier certaines choses, mais le pousser dans des endroits dont il est bien, qu'il se rende compte qu'il y a là, il y a quelque chose à faire aussi. Et les duos se forment justement par rapport à ce répertoire dans le désir de
de former cet aboutissement. J'aimais la mère, j'aimais la fille, au débarras, pardonnant, j'aimais la mère en partant, en revenant, j'aimais la fille. Le pianiste et le chanteur se rencontrent à un endroit qui n'est finalement pas instrumental. Ils se rencontrent à l'endroit du texte, à l'endroit où le texte se mélange intimement avec la musique, dans la conscience de l'un et dans la conscience de l'autre. En fait, l'accompagnement, dans ce qu'il va proposer dans l'univers musical d'une manière générale, dans tout le pays, dans toutes les nations d'ailleurs, c'est absolument insensé. Il y a des accompagnateurs partout qui font des choses complètement incroyables. Je ne suis pas professeur de chant. Je peux parler à un pianiste comme à un collègue. Avec un chanteur, j'ai nécessairement une distance puisque l'instrument dont il est question n'est pas le mien et je me garderai bien d'intervenir. Pianiste qui va jouer avec un chanteur, c'est pas que du tout que le récital. C'est en fait une vie extrêmement développée. Sans le maillon de l'accompagnateur ou sans le maillon du chef de chant, du continuiste, il n'y a pas de musique qui se passe. C'est un endroit absolument central de la musique. C'est pour ça que je trouve que c'est extraordinairement lumineux que le conservatoire lui fasse une telle place et aussi un tel rayonnement. J'espère que cette conscience va grandir de cette importance. Vous êtes en dernière année, Kelly Bocher. Cette année, vous avez la chance de participer à une production lyrique. Quel est votre rôle dans cette production? Vous êtes un empereur, c'est ça? Oui, je vais interpréter l'empereur de la Lune, dans Le Monde de la Lune, de Haydn. On passe une audition et on est sélectionné ou non pour tel ou tel rôle. Ce rôle qui va devoir me pousser dans des choses où je suis moins à l'aise naturellement, il va falloir que je trouve un côté comique qui ne m'est pas naturel. Quand on rentre ici, on nous explique bien que le rythme va être important dans les premières années. Il y a beaucoup de cours en groupe. Il y a les cours de danse, les cours de formation musicale, les cours de théâtre, les cours d'ensemble vocaux. Tout ça, ce sont des cours de groupe. Donc soit on a mis un petit peu d'argent de côté pour payer sa vie à Paris, ça c'est vrai, soit on a des aides. Il existe au conservatoire beaucoup, beaucoup d'aides privées et publiques qui permettent de réaliser ses études. Mais tout ça se manage assez bien avec l'administration. Et on a la chance ici d'avoir une salle avec une fosse d'orchestre. Donc une fois par an ou une fois tous les deux ans, je fais une session avec les chanteurs sur la scène et les chefs dans la fosse pour être exactement dans les conditions d'un opéra. Et évidemment que c'est aussi un métier différent, mais peut-être le plus complet à l'opéra. Parce que quand vous êtes à l'opéra, tout peut arriver. Un chanteur qui ne rentre pas, un panneau qui ne s'ouvre pas, il faut rattraper énormément de situations. Conduire tout un opéra du début à la fin, ça veut dire aussi construire un arche sur deux heures. Donc l'opéra, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que je fais aussi des sessions lyriques avec eux. When the cannons are upstairs and down,
le chanteur a un rendez-vous hebdomadaire avec un professeur de scène où il y a un laboratoire qui se met en place sur le travail de la scène. Ici, ils ont leur cours de solfège, leur cours de piano, leur cours de langue, leur cours de technique vocale, où on leur dit de faire comme ça, de faire comme ci. Et moi, j'essaye par le biais du théâtre de leur révéler aussi la parole, leur montrer également que leur métier n'est pas juste que de chanter, mais c'est également de dire des choses. Et petit à petit, ils se rendent compte que ils ont envie de dire des choses et que peut-être s'ils ont choisi le chant, il y en a pour certains, c'était peut-être pour dire certaines choses, vivre certaines choses, révéler certaines émotions. Et donc du coup dans ces séquences il y a des révélations qui peuvent complètement se faire. Un soir, mon univers bascule dans l'horreur. Avec Emmanuel Cordeliani, une année c'est elle qui fait les licences, moi je fais les masters, l'année d'après elle fait les masters, je fais les licences, et on tourne comme ça. Et si on parle des productions opératiques, des productions lyriques, mm-hmm. ici dans le cadre de l'école, dans le cadre du conservatoire, est-ce que c'est déjà un avant-goût de ce qu'ils auront dans le métier, dans la carrière, dans l'itinéraire professionnel, ou est-ce que c'est encore un moment de formation essentiellement ? Le conservatoire leur donne tous les moyens pour que ça ressemble vraiment à une production professionnelle, parce que il y a un temps de répétition qui est assez conséquent. Il y aura des costumes, il y a des décors, il y a la lumière, il y a un metteur en scène. Ils sont très très jeunes, ils n'ont pas encore un bagage émotionnel terriblement construit encore pour qu'on puisse les laisser planter comme ça en plein milieu d'un plateau et d'exprimer l'émotion du personnage, l'émotion du texte, le passé du personnage et tout ça. Tout le travail a été fait dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai amené aussi ce travail avec les danseurs, pour qu'il puisse y avoir comme ça une relation entre le corps du danseur et le corps du chanteur. Ils ont vu d'autres artistes, d'autres formes, parce qu'en fait tout le monde parle de la même chose, mais sous une forme différente. C'est vraiment une chance au CNSM, quand on est étudiant, de pouvoir aller d'un département à l'autre, que ce soit la danse à la musique, au département de jazz. Tout cela est très mélangé. Si on a un peu de curiosité, il y a vraiment possibilité d'avoir un parcours au CNSM qui est extrêmement enrichissant. J'adore revenir ici. J'ai plein d'émotions qui reviennent. C'est des années un peu stressantes, les années d'études au conservatoire, mais aussi des grandes années de joie. J'adore ces murs, finalement. Via signori, la portate pari vino e baccalà. Luna leno lino la 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 lino luna la. Oh, che lingua graziosa! Oh, che sorte inaspettata! Se riesce la frittata, oh, che ride si farà! Oh, che ride si farà! Thank you.